Salut YouTube, c'est Iris, ton streamer et youtubeur préféré. Je suis avec Maître Splinter, les gars, c'est un challenger 1000 LPU. Il est trop fort. Vraiment, pour le coup, là, il est vraiment bon. Il joue mid lane, il joue Kennen, il est trop fort. Il va nous faire une game en challenger et tout nous expliquer comment jouer. Voilà, tout simplement. Je fais une game trop courte. Follow-toi, abonne-toi, like, commente, viens jouer sur la chaîne YouTube et voilà. Rien à voir, frère. Viens sur la chaîne Twitch, viens pas sur YouTube. Mec, viens sur YouTube, mais viens aussi sur Twitch. Passe une bonne vidéo, beau gosse. Alors, Cassio. Alors, il y a plusieurs starters avec Kennen. Ouais. Dans les starters un peu free, tu vas commencer épée longue, tu as les potions chargeables. C'est le stuff le plus économe parce qu'en fait tu vas gagner un maximum de gold comme ça à moindre coût, tu vois. Okay. Après les matchups où il peut y avoir un all-in, tu joueras l'âme de Doran. Et les matchups où tu peux difficilement trader des autos, comme Cassio, je pense que je vais partir sur un autre Doran. Okay. Dans le sens où je pourrais pas solo kill Cassio en early sans aide de mon jungler. Autant avoir du burst pour un gank plutôt que du DPS sur un long trade, parce que dans tous les cas, les long trades contre Cassio, je les perds. Donc là, cette game, mon plan de jeu, ça va être quoi déjà pour l'opening de lane? Je veux la laisser push L, parce que sur les longs trades, elle gagne, tu vois. Donc si je suis avancé, et que elle pourra me traîner sur la lane, et donc je perdrai. Okay. Alors que si je suis sous ma tour, dans le pire des cas, elle peut mettre un EQ et rien de plus. Ok. Donc là, tu vois, elle a mis, on va dire, l'équivalent de 4 auto-attaques dans la wave. Moi, je vais vouloir qu'elle en ait que 1 ou 2 d'avance, pour pas que ça crache non plus trop vite. Okay. Parce que moi, mon objectif, c'est que ça freeze ici, pas que ça aille sous ma tour. Ok, d'accord, je vois. Parce que si ça va sous ma tour, ça va bounce vers elle, et du coup, elle aura un freeze plus tard. Ok. Donc là, je vais juste être genre dans l'imitation. Je peux pas me permettre de prendre des sièges, je vais devoir en laisser quelques-uns, parce que c'est le matchup qui veut ça. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Elle apprend que j'ai int. Que j'ai int. Ok, j'aime pas ce perso. j'ai trollé. T'inquiète, ouais, y'a pas de soucis. En vrai, je peux bait. Ouais, ça pourrait peut-être pas de la bait. Ok, t'as utilisé ton... En gros, je l'ai ignite, c'était pour avoir le Nimbus Cloak. Après, toi, ton importance, ça va surtout être sur les fights en mid-late game. Ouais, après, c'est un match-up que je peux vite snowball en vrai. Ok. Si je joue correctement. Là, j'ai vraiment mal joué l'early, quoi. Y'a moyen de faire un truc mid. Ok, le Aurélion qui a de suite Rome, du coup, hein, qui joue son rôle d'Aurélion sol. Ok, j'ai balancé mon petit Q-spé dans les packrettes, là, ça met bien. Du coup, là, t'as pas follow, ok, d'accord. Parce que moi, nous, on aurait tous follow comme des cons. Hein, non, parce que je savais pas où était Shyvana et qu'en vrai, je pouvais très vite mourir. On voit que le Kha'Zix veut jouer autour de moi parce que bah mon perso, il a un très bon follow-up. Et en plus de ça, elle a pas de summoner, la Cassio. Là, tu vois, je vais go. Ouais, ça... Après, là, vous faites un... Oh, très bien joué. Faut un super trade, là, sur la Cassio, un petit peu. Pour l'instant, game assez even, au final. Hein. On a un peu bien parce que là, tu vois, elle va récupérer beaucoup de CS. Okay. Et c'est un match-up où par contre si on va dire dans les premiers levels. Non, les premiers levels c'est normal qu'elle les gagne, tu vois. Mais en fait au premier item c'est moi qui gagne, mais elle va très vite mode-scale, tu vois. Faut vite que je lui mette de la pression et pas qu'elle puisse farm trop facilement. Là j'ai deux solutions. Soit j'aurais pu freeze, tu vois, vu que c'était un bounce. Mm-hmm. Vu que ça venait de sa tour, que la lane avait crash. Là t'as les push et j'aurais pu freeze la lane. Mais vu qu'elle reset, j'ai préféré prendre moins de CS d'avance sur elle. Okay. Mais plutôt bloquer la Shyvana sur son Drake, tu vois, qu'elle va faire. Ok, ouais, c'est parce que les Drakes sont super importants sur Shyvana. Surtout que on sait pas si elle a son flash, ça aurait été pas mal de l'avoir. Là je vais attendre le Aurélion seul avant d'y aller. Je vais aller maintenant. Elle est dans la merde du coup, y'a la Yumi. Là y'a la Yumi, ça va être un doublé, ça va être bien, c'est rambig. Ah, elle a quand même récupéré le Drake. Après, on fera peut-être un kill. Un doublé, je le prends. Bah. J'ai besoin de snowball. Elle a cancel son reset. Je sais pas ce qu'elle a fait du coup, la Cassio. Ouais, elle a voulu crash la wave sur toi. Je sais pas si c'est vraiment. Non, mais j'aurais pensé qu'elle avait reset un peu avant. Ok. Ok, bizarre. Pour toi, ce qu'elle a fait, c'est mauvais call ou. Bah, en fait, je sais juste pas ce qu'elle a fait. Oh, attends. Il tue pas là. Oula. Ça passe. Oh, ok, c'est fine. Attends, je peux. Je la tue. Ah non, elle va avoir son E. Ah fuck. Ça arrive vraiment bien pour le coup. Il y a beaucoup plus de follow-up dans vos games, ça se voit. Ça se voit que ça décale. Dans cette game où je vais acheter des bots très vite. Ok. Là, tu ulti, t'as ulti pour du coup des push ultra rapide. Ouais, pour crash le plus vite possible et reset. Ok. Donc, ça, c'est les choses que tu conseilles de faire pour aller pour vraiment crash rapidement et faire perdre. Ah, le problème, c'est quand même que l'ulti de Kennen, il est super important et il a beaucoup de CD. Ouais. Donc, en soi, c'est quand même pas très bien, tu vois, tu veux éviter de le faire. Mais là, si je restais, je prenais un risque qu'elle me freeze la lane et que je perde beaucoup plus de CS après. Donc je préfère, okay, là, tu vois, pendant 90 secondes, je joue safe, mais que au moins, je suis pas dans une position indélicate, tu vois. C'est des petits tips, je pense, que tout le monde n'a pas et qui peut toujours servir, quoi. Okay, non, okay. Faut faire gaffe parce qu'il peut potentiellement un V2. Ah, elle rate son ulti. Ouais, je fais un petit sidestep, c'était pas mal, on peut la kill là-dessus. Ah, le sidestep était vraiment clean, ouais. Ça c'est vraiment bien. Faut faire gaffe, c'est pas fini. Je peux la stun.
Je vais me mettre derrière l'Aurélien Paul. La pauvre, elle peut pas faire grand chose en tant que vlog. Nickel, c'est vraiment bien. Ouais. C'est le gros point fort d'Aurélien, c'est ses décales qui mettent beaucoup de pression du coup. C'est toute la force du champion. Donc là, par contre, on se met vraiment bien. On se rate énormément de CS. J'ai oublié de prendre l'attaque speed dans mes runes et j'ai pas l'AD que je prends d'habitude. Je commence rarement avec une autre de run. Ouais, je m'en veux juste un petit peu en early ici. Ouais. J'ai fait de la merde et surtout au niveau 1 où j'ai perdu mon flash. En fait, je joue rarement contre des Cassio, mais je trouve que c'est un pic tellement oppressant. Tu vois, genre en early, une erreur de positionnement, elle me met 80% HP, tu vois. Je peux très vite la tuer, la Cassio par contre. Ok. Ah ouais, putain, là, c'est ce qu'on. En fait, c'est ce à quoi on s'attend pas avec Kennen, ces dégâts, ce deal de dégâts qui est assez énorme. Bah là, en fait, j'ai attendu qu'elle se tourne vers moi pour mettre mon Q-spell, et après, j'ai mis tout mon combo. Elle est stun, elle avait pas rien à faire. Mais c'est possible, ça, parce que déjà, j'ai pris un petit doublé bot, et qu'en plus de ça, elle a fait l'erreur de prendre aucun summoner défensif et aucune rune défensive. Genre là, tu vois, elle est vraiment le. Tu peux pas faire plus squishy, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et là, en plus, avec Kennen. Contre Kennen, c'est pas le bon choix à faire, tu vois. Et en plus, là, tu peux décaler rapide, donc vous allez commencer à snowball la game et ça va être un massacre. Non, ouais, ça peut être chaud là. Je suis arrivé trop tard, j'ai pas vu. Okay. C'est my bad, je suis arrivé trop tard. J'ai pas vu. La Cassio là, tu fais comment vu qu'elle est en 0-3, tu vas continuer à la mettre au fond cette Cassio? Ça va dépendre. En soi, là maintenant, je vais vouloir dépenser le moins de ressources possible pour la tuer. Mon Ignite, on s'en fout, je l'utilise. Mon Flash, par contre, j'utilise. Mon Ulti, oui, si c'est pour un kill, mais c'est tout. Tu vois. En gros, je vais pas prendre de move risqué. Là, par contre, on peut y aller. D'accord, ok. Ok, non, par contre, ça va être chaud. Ah, je me suis retourné trop tard. My bad. En vrai, il a un Herald, on peut prendre beaucoup mid. Toi, t'es vraiment bien là, du coup, dans ta game. Ouais. Là, c'est l'avantage aussi de jouer à haut et low. Enfin avec un... Merde, c'est mauvais ça. Ah c'est qui là? Shivyumi c'est solide aussi hein, quand même. Alors on perd ça. On gagne pas ça mon ref. En fait c'est, je vois la différence, c'est beaucoup ta lecture des dégâts et ta lecture du jeu, tu sais. Moi j'y serais allé, il y a un fight, bon. Allez Dieu bénisse, ouais, on le tente et c'est Dieu qui donne, tu vois. Ça par contre on gagne clairement ça. Je mets devant pour protéger du Q-spell. On peut prendre le Drake. Ok, du coup ça va bien qu'il peut récupérer un kill. Du coup le problème de la game ça va être Zeri. Surtout qu'elle a une Exhaust. Exhaust c'est très fort contre Kennen. Faut que je fasse gaffe, il y a Zeri qui peut être derrière moi. Et ça va très vite en plus Zeri, ouais, ok. En fait j'ai deux solutions. En fait ils ont une compo très peu tanky. Okay. Donc si je fais Shadow Flame je ferai beaucoup de dégâts. Sauf que si Drutut là il décide de partir sur un Witsend, ça va baiser un peu mon item que j'ai acheté, tu vois. Donc vu que je sais pas ce que je vais faire, je vais juste acheter des tomes. Parce que les tomes ça fonctionne dans les deux builds. Ouais. Pour les okay. Pour le Shadow Flame ça fonctionne. Et pour le Void ça fonctionne aussi. Donc en attendant de me décider, je vais acheter ça. Autre truc que j'aurais dû acheter, au lieu d'en acheter deux, j'aurais dû acheter aussi un chronomètre. Ah ouais, j'aurais dû acheter un chronomètre et une. Ouais. Non, là ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai fait quand même quelques heures qui coûtent quand même beaucoup cette game. Après compliqué avec moi qui enfin, avec ouais, le cast en même temps, c'est quand même assez compliqué. Ah, je me suis retourné trop tard. Ah, mais il y a l'Aurélien avec. On perd ça. Fasse gaffe. J'ai pas mon R, j'ai pas mon flash. Oh, t'as moyen de faire un truc ici. Je te laisse te concentrer. Comment il joue. Non, ça a rien de forcé. Là, j'ai beau être en 5-1-3, tu vois. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui ont coûté beaucoup cette game, qui auraient été facilement évitables, tu vois. Ouais, pas non plus s'arrêter au score. Bon, là, elle est morte. Hein. Je l'ai tout de suite. My bad. En gros, là, ce qu'il fallait que je fasse, c'est au moment où elle lance la contain, j'appuie sur mon A. Parce que tu vois, elle me repousse, mais si mon A touche, je pourrais Z après, elle sera stun. Si en gros, quand t'infliges un CC avec Kennen et que t'as déjà lancé ton Q-spell, ça va pas enlever ton Q-spell. Le Q-spell va partir même si t'es stun, tu vois. Ok. Donc là, fallait juste que je le lance un poil plus tôt et elle serait morte. Okay. Et j'ai vu que après, du coup, t'es parti botlane pour récupérer les ressources bot. Y'a pas de ressources que vous laissez de côté, vous, Anchal. Hein. Y'a vraiment. Non, faut pas. Non, au minimum. Ouais. Là, tu vois, ici, je sais qu'ils ont pas la vision et il se passe rien sur la map, donc je vais juste attendre et potentiellement choper un catch. Ok. Et là, cette fois-ci, la condamne est ratée, t'as même pas besoin d'ulti ni rien. Ah ouais, putain. Ah, attends. Ok, c'est wardé. Vas-y. Je me casse. Elle peut me... Ouais. Le fait qu'elle ait l'exhaust, ça fait qu'elle peut me kill. J'ai pas back pour autant. Parce que là, comme ça, soit ils vont perdre une wave bot, soit. En fait, là, le fait que je prenne cette wave là, elle serait perdue dans tous les cas sinon. Ok. Et du coup Zeri tu vois elle décide d'aller mid donc je vais en prendre encore une de plus. Et tu laisses tes alliés malgré tout mourir au mid. Bah dans tous les cas je ferais jamais attendre au mid là.
Ok, je vois. Alors que ouais, moi j'aurais des calomides et j'aurais perdu une heure pour y aller et j'ai perdu de la tempo. Ouais, je vois ce que c'est perdre de la tempo, tu vois, j'arrive à comprendre du coup. En soi, ici je comptais reset, Ouais. donc, parce que j'avais des gold et j'avais plus beaucoup de vie. Et il y avait Zeri dans le coin, donc fallait pas que je prenne de risque. Ok. Maintenant, j'ai pas back pour autant, je suis attendu dans le fog, voir ce que fait Zeri. Et en Ok. fonction de ce qu'elle fait, je décide ce que je fais. Ok, Là, faut que je ok. fasse gaffe, elle arrive sur moi. Si je la voyais me courir dessus, j'aurais back. Et si je la vois à la limite, du coup, je prends les ressources bot. Ok, d'accord. Je vais peut-être devoir perdre mon flash. Flash. Je suis pas sûr que j'ai besoin de flash, je sais pas. En gros, j'ai décidé de faire un Zhonya. Dans l'idée, l'objectif c'est de tuer Zeri, tu vois. Parce que c'est elle le problème. Dans l'idée, t'as envie de faire l'item qui fait le plus de dégâts possible. Sauf que pour atteindre Zeri, j'ai besoin de mon flash. Et là, je n'ai pas mon flash. Donc je préfère choisir pour un item défensif. Alors que si j'avais eu mon flash, j'aurais pris un item offensif pour tout donner pour être sûr de la tuer, tu vois. Là, Ouais. dans tous les cas, je pourrais pas essayer de la tuer vu que j'ai pas mon flash. Je sais pas si tu vois ce Ok, que je veux dire. ouais. Ah putain, gros, c'est des réflexions, En fait, gros, c'est ouais, ok. tu vois, des fois, t'adaptes ton stuff avec les ressources que t'as sur le moment, tu vois. Ok. Parce que dans tous les cas, plus tard, je ferai un Zhonya, donc tu sais, c'est pas une perte de temps non plus. Ah là, par contre, ouais. Oh là là. Tu vas pouvoir tempo avec ton Zhonya. Ouais, je pense qu'on se barre. Ok, ça va, Je en vrai, pensais lui faire c'est. plus de dégâts, mais elle est vachement tanky, hein. Ouais, je peux pas turn. Que Snotius va mourir avec. Elle va pas être facile, celle-là. La Zeri va être. Quel perso de fou. Ouais, je te jure. Je te jure. Elle va te tuer Quel jusqu'à la tarot. mort. Hein. Elle veut rentrer chez toi et tout. Hein. C'est quoi la solution là pour toi pour gagner la game du coup? Ça va être un misplay de Drutut. C'est qu'à un moment il fasse une erreur. Ou que j'arrive à trouver vraiment, que je sois giga inspiré et que je trouve une petite folie. Mais sinon là la game elle est compliquée. Et tu vois, si elle est aussi compliquée, c'est parce que j'ai décalé trop tard au niveau de l'Hérald. Hein. C'est pas parce que j'ai une team diff. Certes, Ouais. mon rayon sol fait pas une bonne game, mais tout serait plus simple si j'avais décalé plus tôt tout à l'heure. C'est, tu sais que c'est ça, c'est des trucs qui sont importants que ben, moi le premier je vais me mettre dans la tête parce que moi j'aurais gueulé team diff, tu vois. Je promets à dire ouais, je suis team de merde, Ok. c'est vraiment des merdes. Non, ça serait important Ouais. de pas projeter de projeter les erreurs. Après, si je perds la game, je vais penser au fait que bah j'ai pas très bien joué là, mais en vrai, j'ai pas eu des très bons alliés, mais tu vois, il n'empêche que j'ai fait une grosse erreur. Après ils Donc ont du moment ils... que je fais pas une game parfaite, pourquoi est-ce que je me plaindrais de mes alliés, tu Ok, vois? ok. Ouais, je vois. C'est Flash. quoi la diff entre Shadow Flame et Vault Staff? Les deux sont Magic Pen, j'ai du mal. Il y en a un, c'est de la peine et flat. Ouais. C'est-à-dire que t'enlèves 10, enfin t'enlèves 15, t'enlèves 30, enfin, peu importe, t'enlèves un chiffre fixe, alors que l'autre t'enlèves en fonction des. Ah, attends, je finis ce fight. Concentre-toi, t'inquiète. Ah ouais, on démolit ce fight, faut en profiter. L'Azeri fait peur, putain. Ah, faut surtout pas laisser la Vayne prendre des kills. Ok. Ok, ça Ils peut ok être. en vrai, non? Ça dépend. Non, ça va mal se finir. Elle est trop big. En vrai, y a. Ouais, non, si. Jamais. Ils ont pas de vision. On peut faire un truc de fou, hein. Ok. Ah, elle avait le chrono de up. Ouais, je fais peut-être la kill. Ça va Ah, c'est close. cancel le Nash ou pas? Ah, c'est dommage. J'ai peut-être été un peu trop précipité. Je sais pas si ma Samira était prête. C'est en vrai, ça c'est que ça joue pas grand chose parce que là tu tues la Zeri, tu gagnes le fight. Hein. Après, la Vayne est vraiment mal et ils jouent quasiment à 4 en face. Hein. Ouais, mais le truc c'est que là il est tellement feed. Ouais. Ouais, on le kill. Ok. C'est déjà ça. Alors, là par contre on peut. Là par Oh, contre ça c'est se pas fight mal ça. ça. Oh, elle a mis un excellent ulti. Oh, elle m'a baisé la Cassio. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, en vrai? Ah non, c'est compliqué là. Ouais non. La Cassio a très très bien joué. Je m'y attendais pas. Ok. Ah non mais elle est encore. Ah, c'est Ouais, ils dur. finissent là-dessus. Ouais. Après, ouais, dommage, dommage que la Zeri Mais pour soit moi du coup, autant fed, elle a été aussi faite, c'est à cause du Mouveral, tu vois. ouais. Vu que j'arrive trop tard, mes mates meurent et là-dessus je crois qu'il a pris 3 kills ou 4 kills, dont des shutdowns. Ouais. Donc ça fait mal, hein. En tout cas, c'était super intéressant à voir. On voit que c'est quand même pas le même elo. Par contre, il est vraiment, tout de suite, est très très toxique. Ah bah c'est malheureusement c'est ah c'est lui hein, c'est un streamer qui fait beaucoup de contenu et qui est très apprécié mais en solo queue t'as pas envie de l'avoir hein. Ah Ouais, tu je vois, j'ai fait vois. moins 13, ça j'ai de la chance. Ça va, ça va. Ah, t'as 550 LP là, t'es bien. Bah écoute, merci. Tu veux review un peu la game?
Ouais, si tu veux, on peut regarder 2-3. Deux, trois, deux, trois. En fait, je peux revoir les moments clés. Ah, c'était quoi? Ouais. Ah, l'Azeri qui ulti derrière, après, c'était catastrophique. Non, en fait, celui-là, je pensais que j'étais arrivé trop tard, mais en soi, je pouvais difficilement arriver plus tôt. J'aurais peut-être juste ping back le move. C'était peut-être juste un move à ne pas faire. Parce que Ok. là-dessus, ces 3 kills-là, il a pris énormément de gold. Ok, ouais. Non, en soi, je pensais que ça aurait été plus my bad que ça. Après, il n'empêche qu'en early, j'ai pris beaucoup de retard. Et pour le move du Nash, c'était un autre moment décisif dans la game. Ça aurait pu se jouer, en plus, à la mouvillage, ça aurait pu être incroyable. Là, je sais que c'est pas ward. Après, ah si, ok. Ils ont quand même vu qu'on était là. Et elle était où, la Cassio? Elle était là. Ah ouais, son chronomètre l'a vraiment carré sur ce fight. Parce que là, Ce son c'était. là-dessus, ouais. Tu reviens dans la game sur un move comme ça. Ouais. Et je pouvais même pas spécifier. Est-ce que je pouvais un peu attendre ou pas? Non, le Nash allait être terminé en vrai. J'avais pas d'Ignite. En vrai, c'était. Non, c'était dommage. Bah écoute, merci Allez. d'être venu. Splinter, Bah, un mot écoute, de avec la fin. plaisir. Alors, un mot de la fin, vas-y, je te laisse dire le mot de la fin. Hi team, GLHF next. Gros, tu leur as dit GLHF, tu leur as dit Eh oui. bonjour, t'as été. Y a pas Parce eu que un j'ai mot de pensé à rien. le mettre. Oui, Voilà, tu vois, hop, GG, GLHF next, tu tu vois, l'as mis comme important. ça, toi. Soyez des gentlemen de la faille, les gars.